La minou-audience est ouverte. Nous allons maintenant juger l'affaire Garfield contre Heathcliff. J'étais dans les pages BD des journaux 5 ans avant cet ersatz ridicule. Monsieur le juge, si vous le permettez, j'aimerais vous lire une attestation sur l'honneur. Désolé, monsieur le juge, je suis actuellement en régime de lasagne. Si je vois des lasagnes, je dois les manger. Cette histoire de lasagne est ridicule. Tu es ridicule. La cour est d'accord, c'est affligeant. Monsieur, j'ai bien peur que nous soyons dans une impasse. Et dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour régler votre différend. Un combat de chat! Alors, comme ça, tu me cherches? Eh bien, vas-y, viens, gros matou! Oh, mais à toi l'honneur! Ouvre grand tes yeux, grosse feignasse, ça te changera d'ordinaire! Enfoiré! C'est quoi? Je vais finir par t'appeler lundi! Je déteste les lundis! Ah oh, oh, quelle cruelle ironie! Je vais mourir. Je suis si mignon et je vais mourir. Tiens, bouffe ça, allez, crève. Ça suffit. Nous avons notre champion. En conséquence, la cour se prononce en faveur de Garfield. Dans mon cœur lâche, toutes ces années à ne manger que des... Désolé, mais là, vraiment, je n'en pouvais plus de ces histoires de lasagne. Oh, alléluia, alléluia, je suis libre! Ouvrez l'œil, les gars. Et surtout, mes X-Men, soyez extrêmement prudents. C'est votre mission la plus périlleuse jusqu'à présent. Entendu, professeur. Oh, au fait, je peux effacer les deux derniers épisodes de Koh-Lanta du disque dur, parce que là, je... Wow! Je vais devoir trouver de nouveaux élèves. Soyez les bienvenus. La pénurie actuelle de mutants nous a contraints à revoir à la baisse nos critères de sélection. Mais les dangers qui vous attendent n'en sont pas moins réels. Vous allez défendre un monde qui vous craindra et vous détestera. Quoi ? Tout ça parce qu'on est des mutants ? Non, parce que vous étiez dans les films Police Academy. Ma chaise roulante a un problème ou quoi ? Bref, vous n'êtes pas au complet. On dirait qu'il manque une recrue. Oh, oh. Désolé, je suis en retard. Mahoney ! Voici la salle de tous les dangers, le nec plus ultra en termes de complexe d'entraînement. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Des rayons mortels, des scies circulaires volantes, des boudins gonflables à tête de Half. Qui sait, à vous de jouer. Salut, frère robot, je suis Larvel Jones. Détruis tous les humanoïdes. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Oups! Tu es une X-Men. Sois à la hauteur. Alors comme ça, on cherche ça quand même. Venez, je vous attends. Pour l'amour de Dieu, emmenez-moi ce corps à la mort. Allez, plus vite, bande de trous de cul. Bon, allez, Hightower, on n'a pas que ça à faire. C'est absolument effrayant. Bon, cher recrue, ces combinaisons de combat sont élégantes, isolantes et sont pare-balles. Oh, évidemment, elles ne protègent que ce qui se trouve sous la combinaison. Satanée chaise roulante. Oh. Et dis donc, toi, depuis le début, c'est toi qui fais ça, n'est-ce pas? Essaye un peu de faire le malin si je te vide le cerveau par voie télépathique. Ha! Oh, oh. Félicitations au nouveau diplômé de l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier. Il va avoir droit à une surprise. En tant qu'X-Men, vous avez désormais la lourde responsabilité de... Oh. Visiblement, un petit comique a jugé opportun de cacher une prostituée sous mon pupitre. Malheureusement, je suis paralysé jusqu'au bassin et j'ai bien peur que les fervents efforts de cette dame ne soient voués à l'échec. Je disais donc que les X-Men sont... je n'ai pas dit d'arrêter. Ouvrez l'œil, les gars. Et surtout, mes X-Men, soyez extrêmement prudents. La semaine prochaine, même heure.